Voilà, un petit tour, une petite visite de la serre fait main pour Christine, qu'elle puisse faire ses semis à la maison. Je me suis bien fait chier, mais c'est sympa. Donc, carrelé aussi ici, cool, pour que ça fasse propre dans l'intégration. Voilà la pièce de la serre de dessus. Mécano soudé, en acier, profilé. Tout fait main. La porte aussi, la porte. En retrait, vue arrière. Un petit zoom arrière, voilà, pour présenter dans le jardin, l'intégration. Hop. On va visiter l'intérieur, porte fémien aussi, tout sur mesure. Hop. Voilà, je l'accroche. Voilà, prévu. L'intérieur. J'ai même fait un système d'ouverture. Voilà, pour pouvoir aérer. Voilà. Et pour pouvoir rentrer dedans, pour pas me prendre ça dans la tronche parce qu'elle est assez basse. Voilà, et on rentre dedans. Voilà, vue de l'extérieur. Étagère. Ça sera bien là. Hop. Et puis le plan de travail fait main aussi, revêtu de zinc avec des poutres de 55 dp. Hop. L'éclairage, bien sûr. Voilà. Et l'arrivée d'électricité avec un compteur. Au compteur, un disjoncteur électricité, un disjoncteur prise. Voilà. Et voilà la petite serre de ma chérie. Et ici, il y aura un bac en acier inox que j'attends avec une évacuation d'eau pour la boue. Et puis, si j'ai le temps, je lui mettrai une arrivée d'eau. Voilà. Ah ben, voilà pour. Et ça m'a pris 4 mois, 4-5 mois pour faire ça. Voilà. Bisous à tous. Si avec ça on mange pas des tomates.